quand je lis vos commentaires sous ma vidéo, mon cœur se remplit de joie. Franchement, merci beaucoup, vous êtes adorables avec moi. Quand je lis vos commentaires, je suis sous le charme. Tata là, elle revient de la poste. Comment vous dire que je suis traumatisée? Je suis tombée sur une puante. Mais une puante. Non mais c'est impossible que t'as déjà senti quelqu'un qui puait comme ça. Parce que du coup, il y avait une double file et il y avait une personne qui attendait côte à côte à côté bah, de la Hanza. Hanza de la culasse, je vais t'apprendre à laver ton derrière. Du coup, la femme, elle était violette. Elle était violette. J'avais envie de dire, mais on est tous dans la même galère. Du coup, je fais mes petits trucs à la poste, etc. Et là, je vois la dame, donc celle qui est en train de mourir, sur le côté. Et là, quand je passe, elle vient me voir, elle me fait on est d'accord, elle puait. Et elle me fait rire, elle me dit mais purée, une carte de restaurant c'était. Ça sentait la frite, ça sentait la moule, ça sentait la marée. Tellement peu cher le savon. Mais bon, c'est tout, c'est la vie, c'est pas grave. On oublie, tata, pardonne tout. Du coup les amis, moi j'ai fini de travailler. Et je pense que je vais vous prendre action avec moi cet après-midi. Mon mari, il est pas là. Il est en voyage d'affaires pour 10 jours. Il revient dans 5 jours. Du coup, je me tape tout toute seule. Tout le travail, tout le boulot, tous les clients, tous les relous, c'est pour tata. Et quand t'es une femme et que c'est des hommes, c'est un peu difficile. Parce qu'il ne faut pas être trop maquillée. Parce que là, vous savez ce qu'ils vont dire. Ouais, mais ça se voit que son mari lui fait la misère. Regarde la tête qu'elle a. La femme, elle est quand même beaucoup mieux. Hein. Et quand tu te maquilles trop, là, alors c'est... Il la laisse trop faire. C'est, tu vois pas que c'est elle qui gère les affaires. C'est elle qui commande. C'est comme ça, ça se voit, mesquine. Il fait pitié son mari, je te jure. Elle lui fait même pas à manger, ça tombe le soir. Il a rien du tout. Du pain et de l'eau chaude, c'est tout. Tu vois pas comment il est maigre. Elle est grosse, elle mange, elle. Mais il crève de faim, c'est tout. Du coup, il faut un juste milieu. Donc, pour ce juste milieu, tata, elle opte pour un petit rouge à lèvres, pas trop rouge. Et juste, je mets un peu d'eyeliner avec du récil, c'est tout. Voilà, on reste soft. Quand on travaille avec des hommes, c'est comme ça. Surtout quand tu t'appelles Zora. Soleil de fou. Donc là, où est-ce qu'on va? Ben, on va chez Action. Ouais, là, il y a carrément moins de soleil. Il fait super beau aujourd'hui. C'est un jour pour aller chez... Action! Non mais regardez tout le monde. Je suis choquée. Il y a vraiment du monde. Hein. Ils sont 4 euros les petits plaids. Ils ont sorti des petits... ouais, c'est des gommages corporels. Mais je les ai sentis, je trouve qu'ils sentent super bon. Ils ont l'air vachement bien. Coucou les amis. Donc là on se retrouve. Tata, qu'est-ce qu'elle nous a fait ce midi? Donc j'ai fait en fait une... pas une flamme cuche, mais une sorte de tarte au maroilles avec des morceaux d'endives, donc que j'ai fait revenir tout simplement dans une poêle. Voilà, hein. Ça c'est la poêle avec des oignons, de l'ail. Oignon, ail et persil. Et donc du coup je suis venue mettre tout doucement mes petits morceaux d'endives. Et je suis en train de poser le maroilles. Donc j'ai pris un maroilles. Il vient de Thiérache. Franchement il sent très très bon. Il n'est pas très très fort mais il sent très très bon. Et j'ai mis dessus en fait une crème que j'ai fait avec des morceaux d'ail que j'ai écrasé. Et un peu de crème fraîche. Et en fait je suis venue poser... Voilà, je suis venue poser la crème ici. Voilà, une crème fraîche que j'ai aromatisée à l'ail pour relever un peu le goût de tout ça. Je vous dis bon appétit les amis. Et voilà. Donc notre tarte est prête les amis. Elle est un peu gratinée comme ça. On voit encore les endives. Maroilles, endives. Franchement, testez les filles, ça a l'air super bon. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais la pâte, elle a super bien, super bien. Je sais pas si vous allez voir, mais la pâte elle a super bien levé. Et ça, c'est grâce à ceci.
Alors cette levure, moi franchement je n'utilise que celle-là. Elle est sans gluten. Ouais, donc c'est un produit qui est sans gluten. C'est pour moi la meilleure des levures qui existent. Parce que avant je cuisinais beaucoup avec que cette levure. J'utilisais celle-ci. C'est ce que j'appelle la levure de levure d'arabe. Parce qu'en fait, j'ai toujours vu ma mère en fait utiliser ça pour faire le pain. Et moi, ma tante, elle utilise ça. Mais elle fait des pains de dingue. Et quand on lui a dit, mais tu utilises quoi comme levure? Elle nous dit, j'utilise la briochin, Alza briochin. Du coup, c'est vraiment véridique. Mélanger un sachet avec 500 g de farine pour tout ce qui est pizza, flammekuche, etc. Ça vous donne un volume. Non mais regardez. Non mais regarde le volume de fou que j'ai. Et c'est hyper, hyper moelleux, regarde. Donc je vous la conseille. Voilà, bah écoutez, nous on va aller manger. On vous fait de gros bisous, à plus. On va se poser tranquillement sur le fauteuil. Je vais te faire montrer ce que j'ai acheté. Hey! Alors donc là on se retrouve après le jour d'hier. Donc où j'ai été tout simplement faire un tour chez Action. Il faisait trop trop beau. Et aujourd'hui d'ailleurs j'ai ressorti voilà un petit t-shirt. C'est vraiment agréable. Vive le soleil! Vive le soleil! Mais je kiffe le soleil. Quand il y a du soleil je suis comme une dingue. Ouais je suis aussi comme une dingue quand il fait de la pluie. Mais bon tu vois c'est pas la même dinguerie. Est-ce qu'on rigole bien sur Snapchat? Je te mets ça ici. Rejoins la team de Tata. Je te présente mon haul tout de suite. Ah, du shampoing. Encore. Je suis pris le shampoing et l'après-shampoing. Donc à la noix de coco. C'est une formule enrichie. Blablabla. Blablabla. Je pense que j'ai dû payer ça 1,98€ et celui-ci de même. Ils disent que c'est parfait pour les cheveux abîmés. Et si on souhaite aussi les faire pousser. Ce qui est mon cas. Des ingrédients qui nourrissent avec une formule spéciale qui va vous hydrater, qui va revitaliser vos cheveux. J'ai trouvé ça. C'est une chaufferette. Dit comme ça, c'est complètement chelou. Une chaufferette. Arrête de faire ta chaufferette, toi. Hein. Wow, wow, wow. Donc juste là, t'as un petit truc en aluminium et à chaque fois que tu le tords, voilà, ça va propager de la chaleur. Donc tu mets ça dans tes petites poches pour tes petites mimus. Tu n'auras plus jamais froid. Donc j'ai pris ça pour mon fils. Alors qu'est-ce que c'est, les amis? C'est tout simplement du sel. Qu'on met dans le bain pour colorer l'eau et l'eau devient, à ton avis. C'est quelle couleur, hein, Schtroumpf? Oui, tout à fait, bonne réponse, l'eau devient bleue. Donc j'ai payé ça 99 centimes, il y a 60 grammes. On l'a déjà utilisé une fois, donc je pense qu'avec un sachet, on peut faire deux bains. Je peux vous dire que ça a une odeur de bubblegum. Ça sent trop trop bon. Je me suis repris mon eyeliner fétiche favori. Je le kiffe cet eyeliner. Donc c'est du parfum. J'ai payé ça je crois 1,60€. La boîte elle est trop trop jolie. C'est pas du parfum de luxe, on est d'accord, à 1,98€, il va tenir ce qu'il va tenir. Mais voilà, quand tu pues dans ta voiture ou dans ton sac, ou quand t'as des gens autour de toi qui puent, ce qui m'arrive quand même assez souvent, pourquoi j'attire les puants? Ouais, c'est chelou. Il sent super bon ce parfum. Mais il sent super bon ce parfum. Franchement c'est une odeur. Mais tu claques ta tête. Du coup ni vu ni connu. Il est sucré, il est gourmand. Je te le recommande. Alors ensuite je me suis pris des masques. Celui-ci je l'ai payé 98 centimes. Je t'explique. Le dessus est un masque peeling. Donc c'est un masque, tu sais, avec le morceau de plastique comme ça qui se retire. C'est tout dégueulasse mais on aime tout. Je regarde même s'il y a du caca de peau comme ça dessus. C'est, je sais pas, c'est merveilleux. Et en dessous, en fait, c'est une crème masque là à laisser poser et à rincer ensuite avec le couteau. 98 centimes et t'as une peau de ouf. Le meilleur article pour la fin. Franchement, Action, vous faites des trucs mais géniaux, des trucs de dingue. Je te montre, c'est ceci. Mais qu'est-ce que c'est, Tata Soso? Un porte-pinceau. Oh mon dieu. Mais quelle révolution. Non mais franchement les filles, c'est un porte-pinceau. Voilà, je vais te montrer de plus près l'image.
Je l'ai payé 1,99€ et en fait il est cool parce que vraiment là vous avez des gros trous. Donc pour mettre les gros pinceaux, ici vous pouvez mettre les moyens. Enfin voilà, c'est juste super pratique aussi à nettoyer parce qu'en fait il se découpe comme ça. Donc il y a moyen de nettoyer. Tu vois, il existe en plusieurs couleurs, donc en vert, en noir, en rose et en gris. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à partager. Ouais, on partage. Et n'hésite pas aussi à liker. Je vous fais d'énormes bisous. Gardez la pêche et n'oubliez pas ce que pensent les gens de vous. On s'en fout. Énormes bisous les filles. Prenez soin de vous et merci. Franchement les filles, merci beaucoup pour tous les commentaires à chaque fois que vous me laissez. Vous êtes d'une adorable.